Reçois por favor. Dans cette vidéo, je veux répondre à deux questions. Il y a un gars qui me suit qui m'a posé la question. Por favor, comment créer de bonnes mélodies? J'ai tous les VST qu'il me faut, mais je n'arrive toujours pas à voir faire de bonnes mélodies dans mes différentes compositions. Donc tout d'abord, je tiens à mentionner le fait que avant de composer, il y a des choses à mettre en place et des choses à faire. Première des choses à faire, c'est d'avoir des templates. Donc si tu veux faire des instrus afro, tu dois avoir des projets templates afro directement sur FL Studio. Si tu veux faire des instrus trap musique, tu dois avoir des projets templates déjà pour trap. Donc quand on dit projet template, il s'agit des projets qui possèdent déjà une sélection d'instruments bien spécialisés et qui possèdent déjà un certain nombre de configurations déjà faites sur le mixeur. Ça te permet de gagner en temps et ça te permet de pouvoir facilement ne pas manquer d'inspiration. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Maintenant, deuxième des choses à faire, c'est qu'il faut écouter un maximum dans le style que tu veux composer. Voilà, donc comme je dis toujours, suppose que toi aujourd'hui tu veux composer une instru trap musique et que tu te dis ok, donc qu'est-ce que tu dois faire? Première des choses, tu dois écouter un maximum d'instrumental trap musique des artistes qui marchent. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape si tu veux avoir toujours l'inspiration et tu veux gagner du temps pendant des compositions. Donc moi généralement je fais 30 à 45 minutes pour faire un beat assez facilement, tout simplement parce que j'ai fait d'abord des pré-écoutes, j'ai une idée ce que je vais faire lorsque je viens m'asseoir pour composer. C'est ça qui me facilite le travail en fait.